coup d'envoi de la seconde période. Ouais, c'est très bien défendu. Ouais, bonne circulation là pour déstabiliser la défense. Et ici l'occasion pour mener. Et c'est au fond des filets. Ce but pour se mettre dans les meilleures dispositions pour prendre un ascendant psychologique. On voit le but, plutôt le missile qui vient d'être envoyé dans les filets adverses. Et ce qui attire l'attention, c'est le bruit du ballon qui tape dans le filet. Le jeu reprend après ce but concédé par les Citizens. Ah, il y a sans doute quelque chose d'intéressant à venir pour l'équipe. Et le face-à-face tourne à l'avantage du gardien. Il met bien son corps en opposition et bouche parfaitement les angles. Ce qui fait que la frappe est bien mordue. Le ballon sort, c'est un corner. Aucune difficulté pour capter le ballon. Ça arrive pour Pulisic. Attention, voilà un bon duel. Et oui, c'est au fond. It's in the net. Les Citizens qui s'envolent. Dès le démarrage, il a éliminé du monde avant de finir très proprement devant le but. On a pu voir des grandes qualités des finisseurs, mais aussi de la lucidité dans le dernier geste. C'est ça le plus difficile à acquérir. Et deuxième but donc pour cet Camero en bonne position. Attention à ce tir. Oh, le bon arrêt, mais il y a encore danger. Ah, c'est un ballon bien renvoyé. Oui, dépossédé du ballon à la régulière. Ballon vers Kevin Gamero. Il peut frapper Pulisic. Et oui, c'est dedans. Voilà le but du hat-trick. C'est fait. Formidable performance. Et quel moment inoubliable. Quel bombasse il vient de nous mettre. Ça va tellement vite que personne ne peut intervenir ou s'interposer. C'est reparti. Et donc pour City, c'est net et sans bavure. 3 buts d'avance déjà. Pedri. Gamero. Ballon pour Pulisic. Kevin Gamero. Le dégagement de la porte. Gamero à la réception, maintenant Pulisic. Pulisic reçoit le ballon. Le ballon sort en 6 mètres. Tentative de tir brossé, mais le ballon passe loin du cadre. On voit que le corps essaye de tourner légèrement au moment de la frappe, mais le ballon ne suit pas le mouvement. Ça arrive pour Pulisic. Et allez, et encore un but. Quelle puissance offensive. 4 buts d'avance et encore pas mal de temps à jouer. Quelle pression sur ce ballon, mais ça ne l'empêche pas de frapper, ni même de marquer. Quelle détermination. Ah, le score est donc de 4 buts à 0. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Pedri avec la balle. Ah, bien placé pour une frappe, peut-être. En bonne position pour frapper. Et le score qui s'alourdit encore. Quelle humiliation. On pense qu'être un buteur, c'est courir vite, mais non, c'est d'abord être toujours au bon endroit quand il le faut. Ça, c'est un but grâce au placement, pas au physique. Un match très facile, le score est maintenant de 5 buts à 0. Ouais, c'est propre, sans faute. Oh, c'est un bon ballon, ça. Et c'est le but. Regardez, la difficulté, ce n'est pas la technique quand on est si près du but. Le plus difficile, c'est le timing. Être là, ni trop tôt, ni trop tard. Et avec ce nouveau but, la domination se confirme. Plus le temps passe, plus le match est facile. Grealish. Encore 2 minutes seulement à jouer dans le temps réglementaire. Oui, bonne intervention. Le ballon sort en touche. Et c'est Pedri sur la trajectoire pour intercepter. Jack Grealish. Et oui, Léo Dubois, la bonne intervention.
Le ballon pour Haaland. C'est terminé, la fin de ce match. Et ça se termine donc par une défaite pour les joueurs de Manchester City.